nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à thème. Je suis désolée pour la luminosité. En fait, je tourne cette vidéo pour la deuxième fois parce que la première a une luminosité catastrophique. Aujourd'hui, il pleut. Le ciel est extrêmement gris et c'est très difficile d'avoir une bonne lumière. Ma ring light ne m'ayant pas suivi dans mon déménagement puisque je n'avais pas assez de place, elle est restée chez Anaïs pour le moment. Donc, c'est vrai que là... dans l'instant, je suis obligée de faire avec la lumière extérieure. Donc, cette petite vidéo pour vous raconter un petit peu cette semaine de tournage dont je viens de revenir parce que vous avez été nombreux à me demander pour que je vous fasse un retour sur ce tournage. Donc, c'est parti. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me suis reconvertie au poste d'assistante de production dans le cinéma et donc je suis partie la semaine dernière pour mon premier tournage et c'était une expérience fabuleuse. Voilà. Alors, pour le plan humain comme pour le plan technique, franchement, désolée pour le spot, hein, vraiment c'est uniquement axé sur la lumière cette vidéo. Sur le plan humain comme sur le plan technique, c'était une semaine excellente. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré participer à ce tournage. Alors, il s'agissait d'un court-métrage. Hein. Un court-métrage, c'est un film d'une trentaine de minutes à peine, qui ne sera diffusé, en tout cas au départ, que sur YouTube. Donc, quand j'aurai des liens, je vous les communiquerai. Avec grand plaisir, d'ailleurs, je m'en réjouis. Et puis, pour le reste, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc, de base, l'équipe est parti le samedi 2 septembre pour le tournage. Moi, je ne suis pas partie le 2 septembre parce que j'avais la rentrée des classes de mes enfants à gérer. À la base, le tournage était prévu à partir du 5 et les dates ont été décalées. Donc, il s'est retrouvé que moi, je me suis retrouvée coincée. Et donc, j'ai dit à Pascal, je suis désolée, mais moi, c'est soit tu acceptes que j'arrive plus tard, soit tant pis, je ne viens pas. Et donc, il m'a dit, non, moi, je veux absolument que tu viennes et tout. Tant pis, t'arrives le 5, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, je suis arrivée le 5, mais toute l'équipe est partie le 2. Le tournage a commencé le 3, donc ils ont tourné le 3 et le 4 sans ma présence. Moi, je suis arrivée, du coup, le 5. Alors, j'aurais dû arriver dans la matinée. Au final, je suis arrivée à midi parce qu'il y a eu un retard de train un peu plus d'une heure, 1h20, je crois. Et j'ai pris un peu les choses en cours, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Moi, le travail que j'avais à faire sur place, je l'ai assez vite terminé, en fait, parce que moi, j'avais les contrats à faire signer, les droits d'auteur pour les figurants. J'avais les notes de frais, j'avais un petit peu de compta, d'enregistrer en fait, ouais, toutes les dépenses, enfin de faire le rendu de compte finalement. Et du coup, j'avais pas besoin de 3 journées complètes pour faire ça. Donc, le temps que j'avais de libre, du coup, j'allais sur le set et j'allais voir un peu comment ça se passait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps. Alors, je suis allée voir un petit peu au niveau du caméraman pour voir exactement comment ça se passait, écouter un petit peu leur conversation pour entendre un peu leur mode de réflexion. Mais j'ai passé beaucoup plus de temps au combo. Donc, le combo qui était l'endroit où se trouvait la script, l'ingénieur son, pour en fait avoir le retour de ce que filmait le caméraman. Et donc du coup, moi j'avais le retour, donc je voyais en live ce qui était filmé. Et puis du coup, il y avait l'ingénieur son et la script qui travaillait aussi à cet endroit-là. Donc moi j'ai passé quasiment tout mon temps avec eux, d'ailleurs très belle rencontre, autant l'un que l'autre. C'était un peu cata les deux premiers jours en fait. Et en fait, le jour où moi je suis arrivée, le mardi, c'était encore un peu cata. Et le lendemain, en fait, la première assistante réalisatrice, elle devait partir parce qu'elle avait une compétition de tir à l'arc. Et donc, du coup, elle est partie le mercredi soir. Donc, c'est sa deuxième assistante qui est passée première. Et il y a un autre deuxième assistant réal qui est arrivé dans la soirée où elle est partie. Il faut savoir que la réalisatrice, c'est son premier court-métrage produit. Donc, en fait, ce sont des débutants. En fait, c'est-à-dire que le chef-op, donc le caméraman, c'était son premier poste en chef-op. À la base, il était assistant cam. La première réalisatrice, à la base, elle était régisseuse.
ou assistante régie même, et la deuxième assistante cam, la deuxième assistante réal, pardon, pareil. Donc, c'était une régisseuse aussi. Donc, autant vous dire qu'en termes d'assistant réal, c'était pas trop ça sur le tournage les premiers jours. Et dès que Joël, le deuxième assistant cam qui est arrivé le mercredi, est arrivé, bah là, on a eu quelqu'un de compétent qui connaissait son boulot. Et franchement, ça a filé, mais il nous a rattrapé le truc. Phénoménal, quoi. C'était vraiment trop, trop bien. Joël, une personne exceptionnelle. Un petit jeune d'une trentaine d'années, franchement, ouais, hyper performant dans son boulot. Un amour en termes d'état d'esprit, de personnalité, etc., et très très belle rencontre pour moi. J'espère que j'aurai l'occasion de le revoir peut-être pour un café sur Paris ou quoi, mais en tout cas il a pris mon Insta et tout, enfin bref, trop contente, très très belle rencontre. Margot la script, pareil, très belle rencontre. Olivier l'ingénieur son, pareil. J'ai partagé le bungalow dans le camping avec les machinots, donc deux garçons, pareil, de bah, moins de 30 ans, adorables aussi, vraiment. Enfin, franchement, j'ai vraiment fait de très très belles rencontres. Je suis très contente de la semaine que j'ai passée, c'était vraiment chouette. Donc moi, à la base, je n'étais pas censée dormir au camping, puisque sur le domaine où on a été majoritairement accueillis, qui est un domaine mais tellement magnifique, c'était énorme. En fait, il y avait un mas dans lequel vivaient les propriétaires et après il y avait plein de dépendances. Donc il y avait une dépendance qui avait été mise à notre disposition pour tourner les intérieurs, toutes les scènes intérieures. Ensuite, on avait un autre domaine, enfin un autre décor ailleurs, pardon, mais tout aussi prestigieux pour tourner les scènes d'extérieur. Et en fait, sur le domaine où on était majoritairement accueillis, donc on avait notre cantine là-bas. Et il y avait une piscine, un pool house, franchement, mais le top du top. Et il y avait aussi un petit appartement dans lequel était logé Pascal et dans lequel il m'avait dit, bah si tu veux, il y a une deuxième chambre, tu logeras avec moi. Donc moi, j'avoue, j'étais plutôt partie dans le délire du « ouais, on va aller faire la fête au camping avec les autres ». Du coup, là, on se retrouvait que tous les deux sur le domaine et tous les autres étaient au camping. Je trouvais ça dommage, mais c'est vrai que ça nous permettait de faire des réunions de prod en catimini. C'était pas du luxe non plus. Donc, bon, je m'étais résignée à me dire « oui, c'est vrai que le camping, c'est peut-être une bonne idée ». Donc, du coup, j'avais accepté de dormir au camping, sauf que c'était sans savoir à quoi ressemblait l'appartement. Faut savoir que c'est un logement qui a été aménagé au-dessus d'une grange, qui n'a pas de réelle porte d'entrée. C'est une porte de grange. Et donc, bah en fait, c'est blindé d'insectes, d'araignées, de mille pattes, de scarabées. Donc, pour moi, c'était juste impossible, quoi. Impossible, parce que je suis une trouillarde comme jamais. Et du coup, quand Pascal m'a dit, bah en fait, tu dors là, moi, je dormais dans un lit en mezzanine. Donc, le lit en mezzanine, très proche du plafond, vous le comprendrez. Et en fait, tout le tour du plafond autour du lit, c'était blindé de faucheuses, les araignées, les faucheuses. Donc, pour moi, c'était pas possible. En plus, pour monter sur la mezzanine, il y avait une échelle, mais hyper dangereuse. Moi, je me suis dit, à droite comme je suis, c'est obligé. Je suis tellement pas réveillée quand je me lève le matin, parce que moi, il me faut au moins 3 heures pour émerger. Je me suis dit, je vais tomber, c'est sûr. Donc, du coup, j'ai dit à Pascal, écoute, je suis désolée, mais en vrai, je vais pas pouvoir dormir dans l'appart avec toi, c'est au-dessus de mes forces psychologiques, en fait. Et du coup, il m'a dit, c'est pas grave, je comprends, t'inquiète. Donc, on s'est renseigné, il restait une chambre au camping, dans le bungalow des machinots. Et donc, je me suis incrustée dans le bungalow des machinots. Au début, on m'avait dit qu'on faisait en sorte que les femmes se regroupent et les hommes se regroupent. Et en fait, finalement, le régisseur, il a laissé tout le monde choisir. Donc, bah, en fait, hommes et femmes étaient mélangés en fonction de leurs affinités. Et finalement, tout s'est très, très bien passé. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec les machinots, donc, qui étaient des personnes très sympas, avec qui j'ai bien rigolé. Coloc très agréable, vraiment. Après, on a été en coloc pendant 3 jours. Hein, c'était pas non plus le bagne. Mais non, franchement, très, très sympa. Le tournage en soi s'est très bien passé. Tout le monde m'a super bien accueilli. J'ai proposé mon aide parce que moi j'avais pas beaucoup de travail, donc du coup j'avais l'impression d'être inutile. Sauf que en soi, je vais pas me plaindre parce que ça m'a permis de vraiment voir les choses. J'ai participé quand même à la mise en place de la déco,
puisque j'avais la possibilité d'aider, donc j'ai aidé. Mais après, tout ce qui était plus technique, c'est vrai que n'y connaissant rien, bah, je ne pouvais pas aider finalement. Donc, j'ai fait ce que je pouvais à hauteur de mes moyens. Je suis très, très, très contente de cette semaine passée là-bas. Je suis très contente des rencontres que j'ai pu y faire. Parce que vraiment, c'était super chouette, quoi. Donc, c'est vrai qu'une fois que Joël est arrivé, comme les assistants réels étaient débutants, que le chef-op était débutant, que les réalisatrices, c'était son premier cours produit, du coup, c'était un peu, tout a été fait à tâtons au début. C'était horrible, les journées, elles finissaient à 22h30, 23h pour une fin de tournage prévue à 20h. C'était très compliqué. Moi, le mardi, je suis repartie avec un comédien tellement le tournage traînait en longueur, en fait. Lui, il avait fini ses scènes et en gros, il attendait qu'on reparte au camping ou au domaine parce qu'il en avait ras-le-bol, quoi. Et donc, au bout d'un moment, Pascal est venu me voir et il m'a dit... en fait, cet acteur, c'était Arben Bajraktaraj, qui, en fait, est un acteur qui a joué dans Harry Potter et dans Nicky Larson de Philippe Lachaud. Donc, en fait, il connaît Philippe Lachaud et Tarek Boudali. Et donc, du coup, c'est lui qui joue le méchant, en fait, dans Nicky Larson. Et celui qui se fait couper la tête à la fin. Et donc, moi, je suis rentrée avec lui au domaine. On s'est installé là où on mangeait, en fait, au bord de la piscine, au pool house. Et on a passé la soirée à papoter. Il m'a raconté sa vie, je lui ai raconté la mienne. Enfin, voilà, on a créé des liens. C'était très sympa. Enfin, créer des liens. On a fait connaissance, quoi. C'était très sympa. Et les autres sont rentrés à... Je sais pas, ils sont dû venir nous chercher à 23h, je crois. Donc, c'est de là, justement, que j'ai intégré le chalet, puisque moi, ça s'est fait le jour où je suis arrivée. Donc, j'ai été rejoindre mes collègues au chalet. Ensuite, le jeudi, après, c'était le mercredi. Donc, pareil, une journée un peu longue, mais en soi, ça allait. Ensuite... Le jeudi, du coup, c'était Joël qui avait repris, donc ça s'est super bien géré, on a fini à l'heure prévue. Et le vendredi, on a fini une heure plus tôt que l'horaire prévu. Donc tout le monde était très content parce que après ça, on avait la rambale à faire quand même. Et tout le monde prenait un train à 19h02 à Avignon, sachant qu'il y avait une heure de route. Ça voulait dire que, en gros, tout le monde devait avoir bouclé à 17h30, quoi. Pour que le minibus puisse partir à 17h30. Parce qu'on prévoit du monde sur la route, etc. Et ça, clairement, ça faisait peur à tout le monde. Tout le monde m'avait dit, mais Mag, je pense que vous avez été trop ambitieux pour les billets de train. On pourra jamais avoir le train à cette heure-là. Ça va pas être possible, etc. Donc là, moi, je commençais à flipper, j'avoue. Et du coup, j'en ai parlé avec Pascal. Et Pascal m'a dit, écoute, c'est Joël qui a repris le truc. Et franchement, il gère super bien. Moi, je suis sûre que ça peut rentrer. Donc... Je suis allée voir Joël, je lui ai dit, écoute, Pascal, il pense que ça peut se passer comme ça, comme ça, comme ça. Je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord avec ça? Il me dit, oui, je suis d'accord avec ça. Il me dit, je pense que à 4h30, grand max, on aura terminé. Et là, je me suis dit, mais grand bonheur. En fait, on a fini à 16h, donc le top. Tout le monde a pu repartir par le train de 19h le vendredi, enfin presque tout le monde, par le train de 19h le vendredi soir. Il y a juste une personne de l'équipe électro, Olivier, du coup l'ingénieur son. Donc la personne de l'équipe électro s'appelait Delphine, c'était une fille très sympa aussi. Donc Delphine est restée, Olivier est resté, il y a un comédien qui est resté le soir, moi, Pascal et les deux régisseurs. Et donc en fait on a on s'est fait un petit repas vite fait le soir, on a bu un verre, etc. Petite soirée sympa. Et le lendemain, en fait, le comédien était parti tôt le matin. Olivier, Delphine et moi, on est restés. Donc, le matin, Delphine et Olivier, on les a laissés faire une grasse mat parce que, en fait, Pascal et moi, on avait la charge de remettre le camping en état, enfin, les bungalows en état pour pouvoir les rendre à midi. Du coup, on a rendu les bungalows à midi et on est retourné sur le domaine où on était majoritairement hébergés. Arrivé là-bas, on a, profité. En fait, on a profité, on a mangé, on s'est un peu
pavané. En fait, on a chillé au bord de la piscine, tout simplement. Et c'était tellement agréable. C'était vraiment bien. On a beaucoup discuté, on a fait plus ample connaissance du coup, puisque on s'était pas trop parlé dans la semaine, puisque dans le rush, voilà, on n'avait pas trop le temps. Donc là, on a fait connaissance. Donc effectivement, hein, des coups de cœur confirmés pour chacun, peut-être un peu trop pour certains, puisque c'est vrai qu'avec Olivier, on a vraiment est vraiment très très bien accroché. Je pense que, enfin je pense, non c'est pas je pense, je suis sûre que en fait physiquement on se plaisait beaucoup. Le truc c'est que bah voilà, il est beaucoup plus jeune que moi, mais beaucoup. Et on a 15 ans d'écart, donc c'est pas voilà la petite différence d'âge. Il est au courant de ma situation, du fait que j'ai divorcé deux fois, que j'ai 5 enfants, que je vis avec 4 de mes enfants. Tout ça, il est au courant. Ça semble pas vraiment le gêner, mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu un frein quand même. Ce qui n'empêche pas qu'on a vraiment sympathisé. Hein. On a eu même beaucoup de gestes tactiles l'un envers l'autre. Il y avait vraiment un très très bon feeling. On est rentrés en plus ensemble parce que. De base, pour vous expliquer, en fait, l'équipe électro était censée rester le vendredi soir. Et comme Olivier était dans l'équipe électro, il y avait un ami commun à Olivier et à Pascal. Et donc, Pascal s'était dit, bah, il avait proposé à Olivier de rester le vendredi soir en se disant, bah, on fera une petite soirée de fin de tournage en comité restreint, du coup, puisque toute l'équipe était repartie. Et voilà, quoi. Et donc, bah, en fait, c'est ce qu'on a fait. On a organisé ça comme ça. Donc, Pascal m'a dit, bah écoute, du coup, prends pour Olivier le même billet que toi. Donc, j'ai acheté les billets ensemble. Ce qui fait qu'en fait, Olivier et moi, on a eu la même référence de billets. Et donc, quand les électros ont annoncé que finalement, ils repartaient le vendredi soir, parce que sinon, c'était trop compliqué pour eux de gérer 11 heures de route d'une traite, parce qu'eux, ils repartaient en poids lourd. Olivier m'a dit, mais tu penses que tu pourrais modifier mon billet de train, parce que, enfin, il dit si t'es occupé à aider Pascal, il dit je peux peut-être repartir avant. Et du coup, j'ai regardé et en fait, comme on avait la même référence de billet, si je modifiais le sien, j'étais obligée de modifier le mien en même temps, ce qui n'était pas possible. Et donc, du coup, il est resté avec nous. Finalement, il nous a même aidé à ranger un peu et tout ça. Et donc, on a repris le train tous les deux. Le samedi soir. Et donc c'est vrai qu'entre le vendredi soir et le samedi soir, on a passé énormément de temps ensemble. On était plutôt très proches l'un de l'autre. Il y a eu énormément de gestes tactiles, de complicité, de petits regards, voilà, de sourires, de petites blagues juste entre nous, enfin bref. Ça s'est très très bien passé. Je le confirme, une très belle rencontre. Maintenant, c'est vrai que quand on s'est dit au revoir sur le quai du métro, c'était un peu frustrant quand même parce que, parce que voilà, on est conscient l'un comme l'autre que c'est, enfin, si c'était passé quelque chose, c'était sans avenir. Donc, du coup, il s'est rien passé et c'était ça le côté frustrant des choses. Donc, on s'est envoyé quelques messages après le samedi soir et puis c'en est resté là. Mais après, peut-être qu'on se reverra, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas prévu. Et je pense que quelque part, après réflexion, je pense que c'est une rencontre qu'il fallait que je fasse. Parce que Olivier, c'est quelqu'un de très bienveillant. Et il m'a dit des choses qui m'ont beaucoup touchée et qui m'ont fait du bien à entendre, en fait. C'est-à-dire que le régisseur avait prévenu qu'il y avait une piscine sur le domaine et qu'on pourrait se baigner au besoin. Et donc, il y en a qui avaient pris leur maillot de bain, qui s'en sont pas servis. Il y en a qui l'ont pris, qui s'en sont servis. Moi, je l'avais pas pris. Olivier l'avait pris, mais il s'en est pas servi. Et en fait, le samedi après-midi, il me dit, ça dit qu'on aille se baigner, ça peut être sympa. Et là, je lui dis, mais moi, j'ai pas de maillot de bain. Et il me dit, t'es sérieuse, t'as pas emmené ton maillot de bain? Et donc, je lui dis, bah non, mais en fait, mon maillot de bain et moi, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on se fait la gueule, en fait. Et là, il a rigolé pour la petite blagounette, mais il me croyait pas, en fait. Et je lui dis, si, si. Donc, je lui ai raconté, en fait, mon anecdote de la seule fois où j'ai réessayé mon maillot de bain et que j'ai pleuré devant le miroir tellement mon corps me dégoûtait. Et en fait, il a été choqué. Il me regardait avec des yeux pleins d'empathie. Et il a eu une parole très, très gentille où il m'a dit, mais
T'es consciente quand même que t'es la seule à penser ça? Et là, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est gentil, surtout de la part d'un gars de cet âge-là, quoi. Je me dis, enfin, déjà qu'il puisse être attiré par une femme de mon âge, bon, même si on me dit souvent que je fais pas 40, 44, enfin bien 45, là, je prends dans la semaine prochaine, je me dis, je suis quand même plus vieille que lui, quoi. Donc, surprise d'attirer un homme de cet âge-là, un homme qui est quand même plutôt pas mal, on va pas se mentir, qui est plutôt équilibré, qui a la tête sur les épaules, qui est plutôt bien installé dans sa vie. Enfin, c'était surprenant pour moi et du coup assez rassurant en fait, de me dire que bah, tous les hommes sont pas les mêmes, que j'arrive encore à plaire aussi. C'est des choses qui m'ont fait du bien à entendre. Donc je me dis que peut-être la rencontre d'Olivier a été, bah, elle a été là pour ça, en fait, juste pour me faire prendre conscience que, voilà, faut que j'arrête de me torturer l'esprit, que ça fonctionnera peut-être un jour, quoi. Donc, bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que notre séparation sur le quai du métro a été un peu frustrante. On s'est fait un petit câlin, mais je pense qu'on, ni l'un ni l'autre n'avons osé, aller jusqu'au bisou. On s'est fait la bise, plutôt proche de la bouche, mais c'est resté une bise. Et voilà, accompagné d'un câlin, et ça s'est arrêté comme ça. Et c'est, enfin, je pense hein, que si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais c'est quand même une rencontre qui m'a fait du bien. Donc, je me dis que bah, c'est peut-être pas plus mal, en fait. C'est très bien comme ça. Donc voilà, du coup, je suis rentrée. Enfin, on est arrivé à Marne-la-Vallée. Samedi soir, il était 21h47. On a pris le RER A jusqu'à Nation. À Nation, lui, il est sorti, en fait, parce qu'il récupérait un Vélib, alors que moi, je prenais un autre métro. Et donc, on s'est séparés à Nation. Et moi, je suis arrivée à Montreuil, puisque du coup, je dormais chez Pascal. Il y avait sa femme, Déborah, qui m'attendait. J'ai dû arriver... ouais, à 23h. Ouais. Bon, 23h30, quoi. Donc, bah, du coup, quand je suis arrivée, on a discuté un petit peu avec Déborah. Et puis, bah, après, je suis allée me coucher parce que je me suis quand même couchée à minuit et demi au final. Et je me réveillais à 5h le lendemain matin. Non, pas à 5h, à 7h, pardon. Le lendemain matin pour prendre mon train à 8h15 à la gare du Nord. Donc, donc voilà, c'était une très belle expérience, vraiment. Belle rencontre. Du coup, très belle expérience, tant sur le plan humain que technique, en fait. Vraiment, c'était vraiment chouette. J'ai hâte d'être au prochain pour voir si ça se passe pareil. J'ai hâte de travailler sur un long métrage, même si je sais que, voilà, là, c'était 6 jours de tournage, mais sur un long métrage, on est plus autour de 6-8 semaines. Du coup, ce sera moins évident parce que je peux pas partir 6-8 semaines. Enfin, si je peux, mais il faudrait que mes enfants puissent être gardés pendant 6-8 semaines, ce qui n'est pas évident. Alors, Anaïs me dit, t'inquiète pas, j'arrive bientôt. Elle me dit, moi, je pourrais rester avec eux pendant que tu partiras en tournage et tout ça. En sachant que quand on part aussi longtemps, il y a des choses qui sont prévues, c'est-à-dire... soit on me prévoit à moi un billet pour rentrer chez moi tous les week-ends pour être avec ma famille, soit un trajet qui est trop compliqué parce que genre le vendredi soir on finit trop tard et donc du coup je peux pas partir le vendredi soir, bah du coup ils font en sorte que ma famille puisse venir jusqu'à moi et tout est payé par la prod, en fait c'est compris dans le budget du film. Donc je me dis que bon, ça devrait se gérer. Et puis si c'est juste 6 semaines, ça va, ça fait un mois et demi. Je me dis, pendant un mois et demi, si on arrive à se voir quand même tous les week-ends, ça devrait le faire. Donc après, bon, c'est plus pour Anaïs, parce que du coup, ça fait une grosse gestion pour elle. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Si c'est des tournages en Île-de-France, je rentrerai tous les jours. Donc la question se pose même pas. Donc voilà, du coup, très belle expérience pour moi, très belle projection pour la suite, même si bah, pour l'instant, la formation... ça risque de pas se faire maintenant, mais là, dans l'idée, j'aimerais beaucoup déjà décrocher un contrat. Pascal me laisse entendre que d'ici quelques semaines, il pourrait peut-être me proposer un contrat rémunéré. Il essaye de voir, en fait, parce que
bah, lui, il faut qu'il récupère de l'argent pour ça. Et du coup, bah, il fait ce qu'il faut pour. Mais moi, s'il me propose un salaire, clairement, je reste travailler avec lui parce que j'adore travailler avec eux. Et en plus, maintenant, Paula va être en nourrice à partir du mois d'octobre. Donc, ça va être beaucoup plus commode de travailler. On va vraiment travailler à 3 et plus à 2,5. Donc, ça va être cool. J'adore mes conditions de travail. J'adore la facilité à laquelle je peux gérer mes horaires. Si j'ai envie d'être en télétravail, je reste en télétravail. Si j'ai des jours où mes enfants sont malades, bah, j'envoie un message en disant « Désolée, je bosse chez moi aujourd'hui, j'ai pas le choix. » Problème de cantine ou tout ça, pareil. Franchement, voilà. C'est trop bien. Un rendez-vous médical, pas de problème. Donc, ouais, c'est vraiment... J'ai des conditions de travail qui sont vraiment parfaites, quoi. Donc, bah, si je peux continuer à travailler avec eux, ça sera vraiment un grand plaisir, quoi. Donc, voilà. Du coup, bah, je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'espère que ce vlog vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. La luminosité est vraiment atroce, je confirme. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog qui est déjà commencé. Ciao !